Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Nous revoilà ensemble pour le quatrième et dernier thème et il s'agit services et logistique. Voilà, donc vous avez que quelques questions, donc ce thème-là est un petit peu plus court que les autres. Je vous donne l'énoncé et vous aurez à nouveau 10 secondes pour y répondre. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Parmi les propositions ci-dessous, lesquelles est sans incidence sur l'image de marque d'une entreprise de transport routier de marchandises? A. Le comportement de ses conducteurs à l'égard des autres usagers de la route. B. La capacité de ses conducteurs à rester calme et courtois en toutes circonstances. C. La propreté de ses véhicules. D. La marque de ses véhicules. Réponse D, la marque de ces véhicules. En France, la part en pourcentage des tonnes kilométriques du transport routier dans les transports intérieurs terrestres de marchandises est d'environ 55%, 65%, 75% ou 85%. Réponse D, 85%. En France, les marchandises les plus transportées en transport routier sont produits agricoles, machines, objets manufacturés, matériaux de construction, produits énergétiques. Réponse B, machines et objets manufacturés. Conformément au règlement 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, l'ensemble des véhicules neufs doit être conforme à la norme Euro 6 pour les émissions polluantes depuis le 1er janvier 2012, 1er janvier 2013 ou 1er janvier 2014 ou 1er janvier 2015. Réponse D au 1er janvier 2015. Voilà, ce questionnaire est maintenant terminé. Donc, nous avons vu l'ensemble de l'AFCO ainsi que son QCM, tant redouté par de nombreux conducteurs. J'espère que ces vidéos vous auront été très utiles et qu'elles vous aideront à mieux aborder l'AFCO. Hein, sans aucune crainte, surtout pour les gens qui ont un petit peu de mal à maîtriser la langue française, ainsi que la lecture. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous préparer à passer une très bonne FCO. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.